Yo tout le monde, c'est Nymphisios, c'est... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo bien différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui je me retrouve sur le jeu Dofus, le jeu bien connu qui a plus de 8 années, je crois, 8 belles années, et qui ne cesse de se développer. Voilà, donc sur ce jeu, j'ai pas mal d'expérience, on va dire, et j'ai justement envie de vous présenter mes personnages, ainsi que ma guilde, enfin notre guilde si je puis dire. Ainsi que quelques-uns de ses membres. Voilà, donc on va faire ça dès que la sauvegarde sera terminée. Re les amis, nous avons réussi à passer cette sauvegarde. Gandalf est arrivé, mais on l'a reclaqué direct avec notre stuff PVP, notre bon stuff PVP sa mère. Donc du coup on va essayer de se connecter. On est 48ème dans la file d'attente, c'est-à-dire qu'il y a du monde là qui force le passage pour Hagrid, malgré l'heure très tardive qu'il est. Donc normalement il y a pas mal de monde connecté dans ma guilde. Donc je vais vous les présenter, bien sûr, si on arrive à pénétrer dans... Une fraise. Je vois pas ce qu'on peut faire, entre nous. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ces personnages, je les ai depuis pas très longtemps. Mais les niveaux sont quand même satisfaisants. Donc on va commencer avec Great Nymphisios. Non, on va pas commencer avec lui parce qu'il est pas dans ma guilde. J'ai tellement 11, je l'ai pas mis. On va commencer avec qui? On garde le meilleur pour la fin. On va commencer avec mon Cra. Voilà, enfin, bon, on est ici, mais il faut pas faire gaffe au décor, c'est pas grave. Donc on va leur annoncer qu'ils sont filmés rapidos, et puis voilà. Donc voilà, je vous présente ma guild, et non pas celle de Hardze qui essaie de recruter pendant la vidéo. Je voudrais juste parler de la dame qui est un joueur très sympathique, mais bien sûr c'est pas le seul. Bon, niveau statistique... bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un cra feu qu'on va booster un peu tout de suite. Voilà, donc 830 intelligence. Malgré sa très faible vitalité, il fait du gros rocks quand même. Je voudrais pas me valoriser trop, mais oui, il fait du gros rocks. Bon, maintenant on switch de perso pour Blue Jack, qui est un éca flip que j'ai depuis très très longtemps, une ou deux années. J'ai jamais vraiment pex, pourtant j'ai monté pas mal les attitudes, je trouve. Donc on va voir son stuff qui est plutôt mauvais. Je l'ai payé environ 14 millions, je pense. 14-15 millions, sans compter le Dofus Emerald, le Do Coco et le Miraculé que j'ai pris sur mon Sacria. Ce perso, bien sûr, je ne le montrerai pas parce que j'ai vraiment honte. Alors désolé, mais il doit avoir 800 points de vie et 700 J. J'ai voulu faire un Rox, mais je l'ai foiré. Le personnage dont je suis presque le plus fier, donc mon sacrieur, dans lequel j'ai dépensé le plus par contre. Voilà, donc comme vous le voyez, il est full mimi. Il a une vie acceptable malgré qu'il ait perdu pas mal de stuff puisqu'il est sur mon autre perso. Donc ici on doit avoir 1 PM plus 185 Vita. En ceinture on doit avoir 190 Vita plus 1 PA. On doit avoir un Dofus Emerald, un Dococo et un Miraculé. Le chapeau, j'ai mis comme ça parce que bien sûr, mon sacri est noir, rouge et blanc. Donc j'ai trouvé que ce chapeau suivait bien. J'aimerais d'ailleurs vos avis en commentaire. Bon, malheureusement, il y a les cheveux qui dépassent. C'est très chelou. Quand on met dans cette position-là, le chapeau level up carrément, comme dans Mario avec les champignons. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cette vanne pourrie, mais bref. Nous allons terminer avec mon Yop. Ou bien plutôt Mayop, si on veut dire ça comme ça. Niveau stats, ça donne ça. Il y a pas mal de puissance. Enfin, pas mal, je dis pas mal, ouais. Ouais, ça va quand même. Donc, niveau puissance, donc 22 dommages et 95 puissance, ainsi que 8 dommages terre et 7 neutres. Voilà, donc c'est un Yopter, bien sûr, comme vous l'aurez compris, je suppose. Bulletin, je vais vous le lire vite fait, parce que vraiment, c'est quelque chose d'épique. Il était une fois trois petits aventuriers, membres d'une alliance sombre et envahie par les noobs. Ils passaient la journée à lire des obscénités sur le canal de Guild et à botter les fesses de monstres ignobles. Ces esprits pervertis demeuraient dans l'ignorance. Pas les monstres, hein. Quant à ce qu'était une chose précieuse, la maturité. Ah, la maturité, ça ne se trouve pas en HDV. Après mûre réflexion, ce qui n'eût pris trop de temps, d'ailleurs,
Ils quittèrent indépendamment la guilde avant de se retrouver. Et c'est lors d'une soirée trop arrosée qu'ils décidèrent ensemble de leur futur. Ils fondèrent The Chosen Path. Mon accent est pourri. Mais au moins je vous l'ai lu. Voilà, j'ai eu les coronets. Bon, donc si vous prenez l'envie de jouer à Dofus et de me rejoindre, je vous aiderai volontiers. Simplement, le site du jeu c'est dofus.com. Vous marquez Dofus sur Google et hop, votre ami le trouve directement, votre ami Google. Si vous avez une suggestion sur un quelconque tuto que je peux faire sur le jeu, eh bien, n'hésitez pas à me demander, je le ferai sans problème, bien sûr. Ça ne me dérange vraiment pas, les provisions de vidéos, c'est super. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et la prochaine vidéo sera forcément un remix, parce que je vous avais promis de vous en faire un, je ne vous en ai pas fait. Je m'excuse, mais je n'ai pas eu le temps. Salut, salut les gens, c'était Nymphidios, et n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo, et tchuss.